point, puis un autre, puis par la suite un autre agent me met un coup de matraque. Je suis tout de suite ouvert au crâne, je saigne, je reçois plein de coups au visage. Mais c'est tous des fachos au pouvoir. Des coups de pied, on essaie de me faire tomber au sol, je tombe pas, j'essaie de laisser. Mais la tête qu'ils ont. D'un coup, on frappe, ça continue, coup de matraque, coup de genou, coup de pied, on essaie de me faire tomber au sol encore, je veux pas me laisser faire. À ce moment-là, je me dis que ça y est, bon, c'est menotté, là, ils vont me marquer, ils vont frapper, c'est bon. Je suis là, je saigne de partout, je saigne du visage, je saigne du nez, je saigne de la bouche, je saigne du crâne, je suis ouvert. Un autre agent vient, il me met les menottes. Moi, quand j'ai les menottes, je me dis ça y est, c'est fini. Ils vont me marquer. C'était pas du tout fini, c'est là que ça venait commencer. Je reçois plusieurs coups au visage. Là, je suis menotté, c'est-à-dire j'ai plus d'équilibre, ils me foutent par terre. Je reçois des coups de pied dans la tête. On écrase mon visage, on me crache dessus, on me met des coups de matraque. Je suis là. Mais il y a des voisins en rez-de-chaussée, ils ouvrent les portes, ils me voient. De panique, ils referment la porte. Je suis en train de ramper par terre, j'essaie de me sortir de là par tous les moyens, j'arrive pas. Et je me fais étrangler, stranguler. Alors que j'étais menotté, je comprenais même pas pourquoi on me stranglait. Je leur disais, je suis menotté, c'est bon là, je bouge plus, je suis menotté. Laissez-moi tranquille. Ils voulaient pas me laisser tranquille. Ils continuent à me frapper. J'étais mollard, je sais même pas comment vous expliquer, j'avais pas la notion du temps, mais j'ai dû rester un bon petit 30-40 minutes dans le bâtiment à me faire frapper. Très Mohamed, donc qui était hospitalisé. Et vous continuez de voter pour tous ces enculés, c'est grave quand même.